strong. Salut à toutes et à tous, le let's play que vous allez regarder a été enregistré en live sur Twitch. Et oui, ça y est, on est sur Twitch, en tout cas tous les lundis, de midi à 14h. Et l'émission de cette semaine a été consacrée à Eldren. Allez, je vous laisse profiter. Alors, Eldren, c'est quoi? C'est un Metroidvania qui est super axé sur, son côté RPG. Donc on va avoir vraiment donc tout ce qui est stats, tout ce qui est équipement, etc. Moi j'ai eu l'occasion de faire la démo qui est sortie il y a un petit moment sur Steam. J'avais bien aimé, j'avais bien accroché, c'était un peu, comment dire, ça faisait un petit peu à l'ancienne, dans le sens où ça faisait un peu brut de décoffrage. Mais il y avait un petit je ne sais quoi qui m'accrochait, déjà les animations des attaques hein, que vous allez voir, ça... juste les animations des attaques qui me font penser à Dead Cells, pas le reste, hein. Je vous rassure tout de suite. C'est publié par Graffiti Games, qui est un éditeur qui est quand même qui a quand même fait éditer pas mal de bons jeux, et c'est développé par, ça y est, j'ai perdu le nom, bref, un développeur brésilien, et c'est leur premier jeu. Et comme je disais, les retours sont vraiment chouettes. Et donc je disais, le développeur Synergia Games, c'est ça, Synergia Games. Alors. Donc, Domaine Azuki, j'ai fini Yakuza Ishin récemment, il est vraiment bien, j'attends beaucoup Wolong maintenant. Ah, Wolong, je sais même pas si je vais avoir le temps d'y jouer. Peut-être, mais c'est vrai que moi aussi il me fait de l'œil. Ok. On se lance tout de suite sur Eldren, qu'est-ce que vous en pensez? Pas de soucis pour Blanc, je comprends les critiques dessus. Alors, on se fait un petit barbu. Allez, bon, de toute façon, moi je suis blanc comme une peau de fesse, donc on va rester comme ça. Allez, ça ira bien. Hop, je vais me mettre en plus grand, hein. Enfin, le jeu en plus grand, pardon. Voilà. Donc j'ai loupé le début, mince. Les serviteurs du haut prêtre ont trouvé quelqu'un capable d'éradiquer l'empire du mal forgé par Certis, le tyran des sables. Son destin a été scellé par un contrat écrit sur un morceau de tissu humide. Une terre mythique au-delà des limites de la raison. Mais le destin peut être aussi sournois que les vagues, aussi tourmenté que la foudre et aussi fragile que l'espoir lui-même. Alors, il y a un petit côté Lovecraft, hein, si j'ai bien compris. Alors ça, c'est vraiment pas pour me déplaire. Noyant son détenteur près du rivage. Mince, du coup, j'ai coupé la phrase, on a rien compris, on a rien capté. Quelle peut être la récompense lorsque le destin lui-même... Ma tête qui gêne. Eldren le dira. Bref. Je vais me mettre plutôt par là. Alors, brèche du délinquant, appuyez sur B pour sauter, jusque là, ça va. Je pense qu'il fallait pas que je passe en dessous. Une épée légère. Voilà. Donc vous me dites pareil au niveau du son du jeu, si vous voulez que je monte le son du jeu, que... ou ma voix, peu importe. Hésitez surtout pas à me le dire. Donc là vous... Ah. C'est ces petits traits et tout là, c'est ça qui me fait penser à Dead Cells. Oh, un feu de camp. Mais où est-ce que j'ai déjà vu ça? Parfait le son. Nickel. Bah merci beaucoup. Alors... Ouais. Alors ça j'imagine il faut, voilà, faut pas que j'aille dedans. Il y a une jolie petite permission en bord de plateforme. Alors X pour changer l'ensemble. Ok, les flèches.
Ah, c'est marrant. Alors, lorsque vous êtes équipé d'un arc, appuyez sur ZR pour lancer une compétence secondaire. Level up. Mince, ah oui, faut pas que je dépense toutes mes flèches, moi. Donc, comme je disais, manette en main, c'est vraiment pas mal. Non, faut dire ce qui est, hein. Franchement, c'est hyper instinctif. Bon, pour peu qu'on soit habitué du platformer X, slash Metroidvania. Mais ça se prend super facilement en main. C'est un petit régal, hein. Après, le pixel art, il est assez sommaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, je pense que c'est bon. Donc là, j'ai obtenu... Je sais pas. Et puis, ah, une note. Ouais, on va passer les notes, hein. Dire, on n'a pas pour but de faire le jeu en entier ici, donc... Ok, la carte. Basique mais palais, c'est ça. Mais encore une fois, c'est rattrapé par les animations, hein, pour moi. Ah oui, lui de mémoire, il est un peu costaud. Voilà. Ok, là, hop. Ah, ça va. Bon, j'ai dépensé toutes mes flèches, par contre. Attends, il y avait un panneau là-bas, qu'est-ce qu'il me disait? Appuyez sur... Ah oui. Bah oui, c'est mieux. Un petit dash. Je sais pas s'il rend invincible, celui-là. J'aime bien le fait de voir la... Ah, c'est... j'ai pas fait attention à ça. Effectivement, on voit le pourcentage d'exploration, ça c'est vraiment cool. Oui, alors les notes, ouais... On va pas s'y attarder, mais moi aussi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est... Bah de toute façon, c'est hérité des Dark Souls et avant ça de Metroid, du coup. D'avoir vraiment ce côté où, en fait, tu joues, tu peux complètement passer à côté de l'histoire, c'est pas grave si c'est pas ça qui t'intéresse. Et par contre, si tu veux t'y intéresser, tu as une surcouche de lore qui est là. Après, est-ce que... Attends, j'ai pas regardé du coup comment... Elle, ok, elle pour boire une potion. Donc ouais, si tu t'intéresses au lore, il y a de quoi faire, enfin, j'imagine. Des inscriptions tracées dans le sang, elles palpitent, j'ignore ce qu'elles signifient, mais ça ne me dit rien qui vaille. Oui, ok. Pile poil. Oh purée. Alors par contre les déplacements... En fait le bonhomme s'arrête. Le bonhomme s'arrête quand j'attaque, c'est assez perturbant, et je joue comme un pied. Voilà, on va se concentrer un peu. Par contre... Je sens que j'étais bien plus mal en point que ça. Moi je casse tous les pots, hein. Je veux de la thune. Alors, ok, donc le dash me permet de pousser, et j'imagine ça me fait un raccourci. Est-ce que j'ai un feu de camp? Il était où mon feu de camp? Là, je vais y retourner par acquis de conscience, on va dire. Ah mince, il y a le gros machin. Ta vie n'est pas beaucoup descendue. Bah écoute, elle est remontée surtout, j'ai l'impression. Je vais avancer, hein. J'ai pas envie de me refléter le machin sans flèche. Ah, une hache. Ah, c'est une arme seconde. Ah bah, une petite vibe. Ah, attends, comment on fait? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Tac. Ah ouais, mais... Alors non, il faut que je sois comme ça. Ok. Ouais. À 15h le Pokémon direct. Alors moi j'avoue que je suis pas spécialement hype parce que Pokémon c'est pas non plus... Mais j'ai hâte de voir, ouais, j'avais vu parler de... pourquoi pas mettre les épisodes Game Boy sur la console virtuelle, ça serait cool ça. Ah mais je suis monté de niveau, Linkle One, c'est pour ça que ma vie a l'air montée, c'est parce que je suis monté de niveau. À tous les coups c'est ça. Thank you.
la voilà. Oui, ouais, c'est même la manipulation ADH, ouais, c'est exactement ça. Sauvegarder, hop. Donc, il me semble, hein, de mémoire, que tout ce qu'on fait entre deux points de sauvegarde... Attends, que votre volonté soit faite. Ok. Tout ce qu'on fait entre deux points de sauvegarde est annulé si on meurt. Alors ça... Oh, alors ça va pas me plaire. Attends. Hein? Comment je faisais? Ça, c'est la potion. Donc ça, pour esquiver, ça me va. Par contre, ça, pour bloquer... Je suis point fan. Ok, génial. Les animations sont... sont chaudes à voir. J'ai absolument plus de vie. Ouais, faut que je retourne au feu de camp, là. Surtout qu'il était juste à côté. J'ai pas un... Ouais, j'ai pas de run. Ok. Ah, purée, garde break. Mais j'ai pas... C'est infernal. C'est infernal. Allez, c'est pas grave, on avance. Non, ça c'était un très très mauvais calcul. Ah bah voilà, et ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors, charge la dernière partie, ouais, donc c'est ça. Hop, j'ai perdu. J'ai perdu toute mon avancée. Allez, on se concentre. Ah bah oui, j'ai même le bouclier, génial. Je pensais avoir re-sauvegardé derrière. Attends, faut que j'arrive à choper le truc. Ah, puis je peux même pas lui tomber dessus en plus. Ok, c'était mieux. Non, c'est pas spécialement dur. Faut juste comprendre comment il fonctionne. Ah! Voilà. Ah, mieux comme ça. Allez, lui, il va me faire monter de niveau. Non. Faut que je fasse gaffe là. Au truc qui fait. Allez. Boum. Et voilà. Petite potion, gratos. Alors. On en est où? Est-ce qu'on avance? On avance, mais on sait pas où on va. Ah, là c'est le petit côté... Alors, effectuer le rituel sanguinaire. On le fait? Allez. Bon, ça, donc j'ai tué... Hop, une petite dizaine de personnes pour... Non, c'est pas ça. Ah, c'est là l'inventaire. Artisanat. Non, comment j'ai fait personnage peut-être? Ah, équipement. Bah oui, équipement, forcément. Alors. Alliance sanguinaire. Comment on voit? Des multitudes meurent pour contribuer au mode de vie d'une minorité, quoi de plus naturel? Ah, attends, j'ai bougé ma tête parce que j'ai l'impression que je loupe un truc. Non. J'ai pas compris ce que ça faisait. Ouais, la police des... Ouais, mais alors par contre, là, pour le coup, j'avais même... Tu vois, par exemple, au mode de vie, moi, j'avais... Je voyais le « ou » au début. Je trouve pas ça hyper lisible, mais bon, c'est pas... Ouais. Donc, je sais pas ce que ça fait, cette alliance sanguinaire. Comment on fait pour ça? Ah, vite. C'était écrit là, voyons. Merci, Tibzou. Oui, oui. Vitalité plus 4. Je prends. C'était chaud, hein. Ok, il y a vraiment pas de soins. Je suis en train... Là, je commence... Ah, oh, purée. Je commence à flipper, là, au niveau du soin. Bim. Snipe.
Petite potion de mana, c'est pas ça que je voulais. Donc soit je passe un niveau, soit je crève. C'est ça, hein. Non, j'en ai chopé une à un moment, je l'ai utilisée. Ah bah regarde, là, il y a un feu de camp. J'ai utilisé quasiment tout de suite après. Et là, j'en ai plus. Alors peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose. Peut-être je peux pas me reposer. Ou alors... Non, non, non. Je crois que j'ai pas de potion. C'est chaud patate. Ah purée, il est revenu. Allez, viens par là. J'ai des potions de mana, ça y a pas de souci. Mais alors les potions de vie... Ah, en voilà une. En voilà une. Et plein de pépettes. Je peux tuer les... Non, je peux pas tuer les grenouilles. Ça... Ça, c'est pas cool. Un petit perfect, hein? Quand t'as compris le truc. La dark civilisation du système de soins. Bah non, du coup. Normalement, je devrais avoir une fiole d'estus, que je n'ai pas. Visiblement, c'est un... Alors... Oh purée, je m'en rappelle de ça. Enfin, je m'en rappelle, mais pas de la bonne manière. Parce que là, si je fais comme ça... Ouais, ça passe pas. Il y a un ordre. Donc, lui, c'est le dernier. C'est galère, ça. Alors, on part d'ici. Ah. J'étais presque. Allez, on attend que ça recharge. Non. En plus, c'est même pas... Allez. Je suis bien dans le bon sens, là. Non, ça va pas. Allez, on va y arriver. Purée, sérieux. Bon allez, on va voir ailleurs, hein, si on y est. Tu laisses la caisse au milieu, je crois que... T'as raison, parce qu'en fait, je suis con, parce que... En plus, je repasse dessus. J'avais vu qu'il fallait que je repasse dessus. Heureusement que t'es là, Tivzou, hein, franchement. Alors, hop. Non, faut que je laisse monter. Hop. Yes. Et donc, une armure. Est-ce que je peux l'équiper tout de suite? Elle est déjà là. Magnifique. Défense plus 8. Alors... Saleté. Elle avait beaucoup trop de vie, cette mouche. J'ai peur. Purée, non mais je suis pas censé aller là tout de suite, je pense. Je suis pas allé là dans la démo, c'est que c'est trop tôt. Quand tu mets 10 coups d'épée à tuer une mouche, c'est qu'il y a un problème. Ah. Allez, reviens là. Saleté. Vous me dites si ma tête vous gêne, je peux l'enlever aussi. Hein. Si vous en avez marre de voir ma tronche.
Là, j'ai pas l'impression que je gêne quoi que ce soit ici. Ah si, mais sous. Bon. Ça me fait peur la grenouille. Il faudrait que j'arrive à retourner un feu de camp. Boum! Allez, feu de camp là-bas. Puis on va aller sur la droite, je pense. On n'y est pas allé. On va sauvegarder, hein. Et salut, Pico! Alors... consulter la carte. Donc le jeu est a priori relativement court, j'étais surpris, parce que pour moi, là on était parti pour une bonne grosse dizaine d'heures, mais apparemment il fait... Allez, 6 heures en ligne droite, 8 heures si on fait un petit peu de rab. Ouais, je fais n'importe quoi. Non, c'était pas... voilà, là j'ai pris une potion de mana, c'était complètement con. Le jeu c'est Elder End. C'est vrai qu'il faut que je leur précise quand il y a des nouveaux arrivants, c'est Elder End. Et je l'ai pas mis... Alors attendez, parce que ça j'ai vu qu'il fallait que je le fasse, que je me suis documenté, attention. Catégorie. Normalement si je fais ça... Maintenant il apparaît en titre. Je crois, je suis pas sûr, vous me direz, sur Twitch. Bref. Donc comment je fais pour passer... pour changer ma potion? Ça je sais pas... Bon c'est chaud patate hein, quand même, hein. Je veux dire c'est pas... On n'est pas dans un jeu ultra facile hein. Donc ouais, Elder End, un Metroidvania... Comment je fais pour faire ça? Non. Un Metroidvania à la sauce fortement RPG-esque. Et chaud patate. Oh purée, deux d'un coup là. On va faire comme ça. Non, alors si je vise pas. Non mais sérieux, fonce droit dessus. Ah purée, j'ai cru que c'était bon. Alors, il faut vraiment que je trouve comment je... La potion, comment ça marche? Parce que c'était elle, mais ça me fait prendre les potions de soin, de mana. On veut pas de ça. Comment qu'on fait? Non. Il y a forcément une astuce. C'était l'autre bouton tout simplement, hein. Le seul que j'ai pas utilisé. Voilà. Faut que j'arrête d'essayer de les tuer ces trucs. Oh, un gros. Oh, purée. Ok. Hop. Nouvelle catégorie Elder End, ça a fonctionné. Alors avec du retard j'ai l'impression, mais ça a fonctionné. Petit level up. Ah ça monte bien les niveaux hein. On va aller voir en bas. J'aime pas trop ces gros machins là. Oh purée, sérieux. Je me méfie. Des sous. Saleté de piranha. Ok. Bon bah il y avait que des sous. Je sais pas si je... Ouais j'ai peut-être pas buté la bestiole hein. Il est trop pour que je le... Ah
Octo. Ah bah voilà, ah bah voilà. J'ai fait n'importe quoi. Allez, c'est reparti pour un tour. Alors je vérifie juste du coup. Tac. Ok. Est-ce que tout le monde va bien? Hop. Ça a l'air de bien fonctionner. J'avoue que j'étais pas rassuré, hein. Oui, c'était purement de la gourmandise. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je dis, allez, c'est bon, ça passe. Et non, en fait, il avait 36 000 points de vie. Je vais essayer de... Faudrait que j'essaie de buter ce truc. Ouh. Il est où? Ah, le saligo. C'est pas simple, hein. Les ennemis ils sont pas stun par les coups là, micro stun. Ça rend le truc un peu compliqué. Du coup, est-ce que il faut que je retourne là-haut? J'avais débloqué un truc, je me rappelle plus. Putain, j'étais niveau 6. Bon, c'est reparti, hein. Après une petite potion, hein, quand même. J'aurais peut-être dû attendre. Bon, c'est pas grave. Hop. Hey. J'ai compris maintenant. Je fais vraiment pas beaucoup de dégâts, j'ai l'impression. C'est compliqué. Il est coincé. Ah, je crois, hein. Allez. Petite potion. Hop là. Donc toi, je me méfie maintenant. Voilà. Faut y aller tranquille, en fait. On n'a pas trop l'habitude. Voilà. Alors, c'est ici qu'il faut que je fasse gaffe à pas descendre d'un coup. Voilà. J'ai cru que j'allais me faire avoir. Hop. Bah voilà. What else? Je récupère des... Ah, les dagues, ça doit être un autre... j'imagine un autre item secondaire. Que je regarde un peu ce que vous me dites en attendant. Au top. Eh ben nickel. Hop. Non, pas de petit niveau en plus, là. Ah, voilà. Alors... En haut, en bas, en haut, en bas. Suspense. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vois qu'on est 10, c'est super cool. Ça me fait super plaisir pour une première, franchement. C'est top. Oh, purée. Ah ouais, d'accord, je l'avais pas vu. Non. Voilà, je suis très très mauvais. Ok. C'est compliqué, hein. On va attendre avant de prendre la potion cette fois-ci. J'aime pas trop là le fait que je vois pas... Ok, un échafaudage derrière, mais... Allez, viens là. Allez, reviens là. Ah, purée, j'ai cru qu'il m'attaquait. Allez, cette fois-ci, la potion, elle y passe. Alors, en tout cas, j'aime beaucoup cette arrivée sur Twitch. Et la mienne, pour le coup. J'ai pas compris. Très agréable d'échanger avec toi. Bah ouais, moi ça me fait super plaisir aussi de... Bah, de toute façon, c'est la raison principale, hein, du truc, c'est que effectivement, plutôt que de le faire tout seul dans son coin, c'est toujours plus fun quand on peut le faire ensemble. Et si vous voulez que moi, je regarde des trucs sur le jeu, que j'essaye des trucs, vous hésitez surtout pas. Non, il n'y a pas de pari.
J'ai l'impression, en tout cas pas pour le moment, c'est vraiment... Ou alors je l'ai mal négocié, je sais pas. Ah, tu n'as pas de compte sur Twitch, ok, bah voilà, bah maintenant c'est fait, à cause, grâce ou à cause de moi. Au choix. Alors... Ah, moi j'ai vu un coffre, j'ai sauté direct. L'appât du gain. Ah, un feu de camp. Ça, ça fait plaisir. Amulor, cité en ruine. Alors, j'ai l'impression que c'est pas exactement fait comme sur la démo parce que j'avais. Déjà, j'ai pas vu d'autres. D'autres endroits hein, sur la démo que les grottes là. Donc, on va quand même y retourner. Parce que j'avais trouvé plein de trucs. J'avais trouvé une épée complètement pétée et tout. De toute façon, vu que le jeu est relativement court, autant explorer à fond, quoi. C'est dommage, mais en dehors des Metroid, j'ai toujours beaucoup de mal avec les Metroidvania, même le légendaire Hollow Knight. Ah bah ça, malheureusement, je peux rien pour toi. Ouais, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait du pari. Parade, hein, pour... pardon pour l'anglicisme, ça c'est de la faute à Pico, ça. Hop. De toute façon, le truc qui est cool dans les... Parce que là, on est vraiment dans un proche Castlevania. C'est que... Ah, guard break. Ah oui, non, c'est pas Paris, ça, c'est l'inverse. C'est que on monte de niveau, donc revenir en arrière pour friter des monstres, c'est pas vraiment une perte de temps, quoi. Il faut vraiment que je fasse quelque chose, parce que j'ai un vieux câble devant le chat. Faut que je trouve un moyen de changer ça. Comment je peux faire? Tac. Non, pas comme ça. Ah, ça a l'air mieux. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Dans l'esthétique, mais bizarrement, je n'arrive vraiment pas à y jouer. Ouais, je trouve ça extrêmement bizarre aussi. Après, tu vois, donc t'as un compère hein, dans l'eau, là, c'est Pico, qui reconnaît que le jeu est très chouette, mais qui arrive pas à accrocher, quoi. Comme je dis toujours... Ah, purée, ils sont deux, là. C'était chaud. J'ai pas besoin de mana, là. Oui, donc, il en faut pour tous les goûts. Et encore heureux que Hollow Knight, il plaise pas à tout le monde. Guard break. Ah. Ah, oh purée, alors ça fait vraiment, vraiment Castlevania. Alors du coup, pour ceux qui sont fans de Castlevania... Déjà, hein, on se rapproche, mais moi je trouve ça un peu plus sympa. Il y a un petit peu un côté plus... Je sais pas comment dire, bah, plus dur en fait, hein, je crois tout simplement. Mais je suis déjà passé par là. Ah bah oui. Forcément, je reviens là. Allez, viens. Viens te friter là maintenant. Purée, c'est pas vrai, c'est un vrai sac à PV ce machin. Petite pièce. Alors. Petite carte, ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait. Hop, on va continuer par là. Ne pas taper les chauves-souris. Ça j'ai retenu ça. Y a plus fun à combattre que ces machins. Hein. Je sais pas c'est quoi là, c'était tout violet. Parce que mettre un coup bouclier, mettre un coup bouclier, c'est quand même... J'ai connu plus fun. Hein. En gros, j'ai fait les Metroid et Symphony of the Night. Bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les Metroid tous les 2D. Ou aussi les 3D. Ah
Bah oui, voilà, tout simplement. Dans le menu archive, s'il y a autre chose que les notes. Bah pour le moment, non. Pour le moment, non. On va regarder un peu, on va fouiller un petit peu ce qu'il y a là. Je vois que dans le personnage, il y a des trucs aussi. C'est moi ou en fait... Oh le boulet. Allez hein. Je cherche pas à comprendre. Tous les 2D et 3D. Vous avez vu qu'en fait j'ai des points de compétences à distribuer depuis tout à l'heure. Et je l'avais pas fait. Donc forcément que je tapais comme une moule. Comme on dit dans le jargon RPG. Alors est-ce que j'ai un... Ouais parce que je vais aller sauvegarder un coup quand même. Eh, tout de suite ça va mieux hein. Alors je suis un insecte qui se respecte. Mais ouais. Non mais bien, et du coup les Metroid et les Castlevania, c'est oui ou c'est non? Oui tu demandais c'était quoi le chiffre, moi aussi je me disais bro c'est... Je sais pas trop. Moi les tutos ça fait deux hein, donc effectivement. Gros boulet, merci Pico, j'avais effectivement besoin qu'on me le rappelle. Alors. Ah purée, il veut pas attaquer des fois. Hein. J'appuie trop vite sur le Y après avoir bloqué. Alors on peut encore descendre ou aller à droite. On va aller à droite déjà. Parce que généralement dans les Metroidvania, quand tu descends, c'est pire. Oula. Oula. Voir tout ce que je les tue. Ah bah voilà. Vous avez vu, hein, il y a que Cthulhu derrière là. Le petit mur invisible qui va bien. Oh purée, ça c'est un boss. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à le choper. Ok. Tiens. Toi tu feras moins le malin. C'est pas un boss ça hein. Ah purée j'ai cru. J'attends qu'il attaque. Non. Oh purée. Et j'ai pas de potion hein. J'ai l'impression qu'il a pas de... Que je peux plus ou moins le traverser. Alors ça... Yes! Tiens, tu fais moins le malin, là. Allez, descends. Facile d'être en haut, comme ça. Ouh, je l'ai pas vu arriver. Allez, faut pas que je me loupe. Tac. Pardon, j'ai droppé la manette. Alors, je lis vos commentaires pendant que je respawn. Tu voulais faire un run level 1, ouais en fait c'était exactement ça. Castlevania, Symphony of the Night, j'ai adoré mais il m'a sûrement lassé du genre. Et le Metroid, bah oui le Metroid c'est incroyable. Enfin, là en plus je pourrais avoir découvert le Prime 1 il y a pas longtemps. Extraordinaire. Le boss c'est carrément la mort dans Castlevania. Le boss c'est que... Ah oui, c'est vrai que ça ressemble. Et Linkel One, ciao. Merci beaucoup d'être passé. Alors, charger la dernière partie. Donc j'étais où? Ouais, j'étais pas loin. On va l'explorer un peu ailleurs, hein, parce que... Purée. Ça manque de punch encore, hein. Ah, boutique, j'ai vu, j'ai reconnu. Salutations voyageurs, mon nom est Polo, je suis un marchand itinérant et je transporte avec moi les meilleures marchandises. Apportez-moi tout l'or du monde et en échange, je vous donnerai les outils que vous avez. J'ai combien?
Ah, c'est là. C'est... Non, c'est bon, j'ai 1000. Je vois, j'ai 1000. Anneau d'archer débutant, dextérité, vitalité. Moi, je veux de l'attaque. Je veux. Ah, ou des petites potions. C'est quoi ça? Bah, c'est l'épée fouet. Je sais pas si. C'est une arme secondaire ou pas. Je vais bouger ma tête juste pour voir si on loupe quelque chose là. Non, il n'y a aucune info là-bas derrière. Tranche-tête. Non, bah, à part des potions de soins. Je vais en prendre 2-3 quand même. Allez, 2. Ok. Et un petit feu de camp. Oula, il y a une grosse porte là. Je sais pas si j'ai vraiment sauvegardé. Je crois que. Ouais, non, j'avais pas vraiment sauvegardé. Ok, donc le marchand c'est fait. Là on est tout en bas. Ah oui! Ah oui, là je. Oh purée, à chaque fois je me fais avoir par ces saloperies. J'ai encore un point à dépenser. Et ça va quand même mieux avec plus de dégâts. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, hop. Personnage. Ah, je m'en fous du reste. Hein. Pour le moment, les points de vie, ça tient. Je pense que le prochain coup, j'augmenterai les points de vie. Ah, je me plains toujours qu'il n'y a pas de potion. Et puis là j'en ai 3 d'un coup. Ah, donc là, je vais rejoindre... Attends. Comment ça se fait qu'il sache tout, là? Ça, c'est quoi, ça? Pour vous équiper d'une autre arme, appuyez sur plus et accéder à l'écran d'équipement. Arme. Bâton charmé. Ah oui, mais c'est un truc de magicien, ça. Moi, je suis pas magicien. J'ai pas envie. Alors, par contre, le Wisebot, il m'envoie des trucs Twitter et tout. Je sais pas si ça marche chez vous, j'ai pas l'impression. Normalement, c'est censé vous donner le Twitter, le YouTube, etc. Hop. Alors lui, il va crever, je sens. Des yeux observent votre arrivée. Bon, enfin, pourquoi il a... Baoum, baoum. Ok. Ça va passer. Et si je fais ça? Ça marche. Tout simplement. Ah, ça me parle, ça. Ah, une petite page de lore. Tac, que je regarde quand même. Hop. Voilà. Max SP plus 5. M'en fous, pas besoin. Tu as eu un freeze. Est-ce que tu as battu le boss? Non. Non, je suis mort. Et c'était pas vraiment un boss, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il me dit là? Est-ce que vous êtes équipé du bâton? Combo. Oh, mais j'ai pas envie du bâton. Ah purée, j'ai pas vu là. Ok, eux ils ont pas de PV. Ça se passe bien, ça se passe bien. Par contre, je serre les fesses parce que j'ai toujours pas de point de sauvegarde. Est-ce qu'on va... Ouais, il y avait un secret. Enfin, un secret. Tout est relatif, hein. Ouais, on continue par là. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'était un peu tendu là comme timing. Voilà. Hop, alors. On va continuer par là. Il
Level up. Allez, je vais me rajouter des points de vie du coup. On est d'accord, hein, parce que augmente les chances d'infliger un coup critique ainsi que les dégâts des arcs, fouets, couteaux et haches de lancer. Ouais, non, on est d'accord. On va partir... On va partir sur une build de force... force point de vie. Allez. Ah, là, Donc là, je vais pouvoir sauvegarder. Nickel. Par contre, je mets toujours de quoi aller battre, hein. En tout cas, moi, je suis très content que le jeu soit plutôt court. Ça va me permettre de pouvoir me le finir avant d'attaquer autre chose. Parce que là, j'étais sur Kirby, que j'ai pas encore fini d'ailleurs, il faut que je le termine. Qui est lui aussi relativement court, j'ai l'impression. D'ailleurs, Kirby, je vous en reparle très bientôt. J'ai pas eu que je voulais lui parler à lui. Quoi ? Comment est-ce que vous pouvez respirer dans cet abîme sans nom ? Votre raison, vous ne l'avez pas perdue ? Ne prononcez plus jamais ce nom. Certis, le prêtre, est l'incarnation du mal. Cet endroit est encore plus vil que les créatures qui l'habitent. Malgré cela, il est plus sûr de se trouver au côté. Je pense qu'il y a un problème de traduction où ça rentre pas dans le cadre. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Ne me traitez pas comme si j'avais perdu l'esprit. Comme tous les autres ici. C'est notre destin, non ? Ah, ou alors j'étais censé l'interrompre, je sais pas. Avant d'attaquer Octopath Traveler 2, oui, évidemment, bien sûr. Oui, donc je spécifie pour ceux qui sont là, mais qui... pour les silencieux, etc. De toute façon, l'émission reste complètement dédiée à la Switch. Donc ce sera forcément des jeux au pire du pire, ce que je pourrais peut-être vous montrer des jeux... qui vont sortir sur Switch et du coup depuis un autre support, mais vraiment le but c'est de vous montrer que des jeux Switch. La chaîne est dédiée Switch comme la chaîne YouTube. Pas crevé. Ah voilà, quand même. Ah, un petit feu de camp. Et salut Sully. C'est costaud, hein, Elder End. Mais c'est très plaisant à jouer. Ça passe tout seul. Ah bah alors là. Là. Ça sentait le boss. Oh purée. Là, faut juste... c'est juste une sorte de pattern à choper. Comment ça se passe ? Plutôt bien. Purée. Ok. Là, trop gourmand. Ah oui, d'accord. Purée. Concentration. Ah purée, il m'a cueilli avec son truc là. J'ai plus le droit à l'erreur. Purée, non mais j'ai fait n'importe quoi. C'est infernal. Laisse-moi respirer. Thank you.
Ah oh, purée. Ok. Oh là 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 là. Ah oui, t'arrives au bon moment là. Hein. Bon, ça va, j'ai eu du premier coup. Mais je l'ai. Je l'avais déjà battu dans la démo, même si ça date. Donc j'avais bien compris qu'il fallait que je prenne mon temps. Alors, ah bah tiens. Alors. Merci chasseur, je craignais de ne jamais rentrer à Terrakan. Cette araignée, oh, c'était la plus imposante et la plus dangereuse de son espèce. Au fait, je m'appelle Guam. Je suis toujours en quête d'épices délicates et d'ingrédients rares. Cette recherche constante m'amène parfois dans des situations compliquées. Mais les choses ne sont pas se sont compliquées en Eldorend. Plus rien n'est aussi simple qu'autrefois. Les bêtes et autres créatures sont devenues plus agressives et personne ne sait pourquoi. Regardez bien autour de vous. Venez me voir à Terrakan un de ces jours. Si vous avez besoin de provisions ou que vous voulez échanger quelque chose, au moins Terrakan est toujours un havre de paix. Ok, j'ai débloqué le marchand. Et il y a une porte bloquée. Donc ma récompense pour avoir battu le boss, c'est un level et un marchand. On se croirait dans un roguelite. 10% d'exploration. En combien de temps? En une heure. Ça va. Alors... Niveau supplémentaire, on va remettre un peu de vie. Ça va être quand même pas mal. Et on sauvegarde. Ah, comme je dis, first try, j'ai un peu triché, hein. je l'ai déjà battu ce boss. Alors de l'autre côté, c'est bien ça, hein, de l'autre côté. Yes, parce que de l'autre c'est bloqué. Ok. Ah bah il y avait que ça en fait, du lore. Je prendrai le temps de toute façon de lire les notes dans mon coin. Qu'est-ce que je les aime pas ceux-là? Bon, tant pis pour les sous. Hop, purée, je l'avais pour ma vue. J'ai plus de potions. Ça c'est chaud, patate. Ah, mais en fait, genre, pourquoi je vais par là? Il faut que j'aille. Que là-bas c'est fermé. C'est où la suite? Si je peux. Ouais. Ah là j'ai plus trop le choix là maintenant. Moi je. Rien à carrer, je fonce dans le tas. C'est une très mauvaise idée. Hein. Ok. C'est mieux. Tiens, purée. Ah, oh, mais quel nul. Du coup, hein, on va pas s'embêter, on va pas repartir par là. Mais non, si c'est ça. Ok. Lui, je vais le laisser. Hein. J'ai pas besoin de le friter. Ok. Faut que je me serve plus du pas en arrière là. C'est quand même bien pratique. Il y a une map, ça me donne presque envie d'essayer. Bah, il y en a une dans Hollow Knight, pourtant t'as pas accroché hein. Est-ce que c'est la map qui change tout? Après la map est... Alors elle est pas non plus... au top, parce que pour moi il manque, tu vois là il y a une porte juste en dessous de moi, là il y a une porte qui est fermée et il me le dit pas, donc bon, peu importe, ou un marqueur, pouvoir placer un marqueur. Ciao Sully, merci beaucoup d'être passé, j'espère, patron, j'espère que ça te plaît. Hop, on va aller sauvegarder là-haut. Alors, ensuite, ah mais, dis donc, mais je peux pas, il me manque le double saut, évidemment qu'il y aura un double saut.
Ah, c'est bien comme ça aussi en fait, de les friter avec le pas chassé. Ok, donc qu'est-ce que j'ai pas vu par là-bas? Pas grand chose, hein. Tu as joué longtemps Hollow Knight? Combien de temps? Si c'est pas indiscret. Ce qui a longtemps et longtemps, hein. Le jeu lui-même est tellement long. Ah, oh, ça va tellement mieux que. Hop là. Alors je vais essayer de sauter par là-bas. Ah, il me faut un grappin ou un truc comme ça. Ah! C'est ça que j'avais trouvé dans la démo. Alors là. 8, 12, 4, 6. Allez hop. On double les dégâts. Ah, oh, ça va tataner. Ça va tataner sévère. On va sauvegarder. Quoique non, où est-ce que je vais aller après? Non, je vais au-dessus, donc c'est bon. On va sauvegarder au-dessus. J'ai eu un petit ralentissement. Je sais pas s'il est visible. Je sais pas quoi c'est dû. Est-ce que c'est le stream? Non. J'ai pas l'impression que ce soit le stream. Des dizaines d'heures? Ah oui, donc en fait, t'as fait bien la moitié du jeu. Oui, là, l'avantage, c'est qu'il est pas long celui-là. Puis il est vraiment. Straight to the point. Il y va pas par quatre chemins. On attaque direct ce qu'il y a à faire. On va aller voir ce qu'il y a en haut à droite de la carte si on peut. Et ça va mieux, hein. Oui, ils ont toujours trop de vie, mais ça c'est une autre histoire. Oh là là. Mais quel bonheur. Alors, ici, on a un truc rouge, c'était le truc sanglant, là. Mais moi, ce que je voudrais voir, c'est comment... Ah, je peux pas y aller, hein. J'ai pas l'impression... Bon, on va essayer d'aller en haut à gauche. En haut à gauche, quand j'articule, c'est mieux. Donc là, c'est là où j'ai tué tout le monde. Oh là là. Laisse-moi tranquille, toi. Ah, mais là, j'y suis pas allé. Mais c'est magnifique. Alors, déjà un coffre. Avec des dagues. J'ai tout loupé tout à l'heure. Est-ce que vous êtes équipé d'une dague, appuyez sur ZR pour esquiver rapidement toute attaque. Ah, ça pourrait être sympa, ça. Mais là, j'ai une épée qui déchire, donc... On va rester sur l'épée qui déchire. Ça coupe, j'ai une connexion en carton. Genre, j'espère que c'est pas moi qui coupe. N'hésitez pas à me le dire. Après, c'est peut-être moi qui stream en trop grosse qualité. C'est possible aussi. J'ai essayé de paramétrer... Ok. Donc c'est bien Pico qui a une connexion de merde. Ah, parce que là, si je dis pas de bêtises, je suis en 1080p, 60 fps. Donc, en vrai, il n'y a pas vraiment besoin pour ce genre de jeu. Mais j'ai la fibre, donc normalement ça devrait passer. Hop. Bon, je passe pas mal de temps à casser des pots et à récolter des sous quand même, hein. Je suis à max H. Est-ce qu'on va sauvegarder à droite pour aller à gauche? Ouais, ça me paraît plus raisonnable. Ok, non mais parce que je sais que si moi je stream en trop de qualité, c'est aussi plus compliqué pour vous de regarder. Donc c'est bon à savoir de mon côté. Parce que je peux peut-être justement jouer là-dessus, baisser un petit peu la qualité... La qualité globale, parce qu'on n'a pas en vrai là-dessus du 720p, ça passe.
du 30 fps ça passe, donc ça permettrait aussi à vous de, bon là je peux pas le faire en plein milieu d'un live, mais pour l'avenir ça me permet de savoir ce genre de truc aussi. Tac tac tac, hop, hop. Si je bloque pas du bon côté, ça le fait pas. Et à chaque fois, je me fais avoir. Ok, et donc là-bas, je me rappelle plus ce qu'il y avait. Ah bah c'était ça, mais ça on a fait ça. C'est bon. Ouais, c'est ça. Pas moyen de baisser en 480p. Ouais, c'est ce qui me semblait, que vous étiez un peu dépendant de ce que moi, je vous propose. Donc... Il y a quand même deux attaques pour la mouche. Hein. Donc la prochaine fois... Non mais c'est bien, la prochaine fois, je sais que je ferai attention déjà au jeu que je vais streamer. Parce qu'ils n'ont pas tous besoin d'être en 60 FPS. Ni en 1080p. Alors ça c'est lent, quand c'est lent comme ça, c'est que c'est super dangereux. Bon ça allait en fait. Alors là, ça j'avoue je m'y attendais pas. Il a des pics sur la tête, non? J'arrive pas à voir. Oh là 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 là. Allez, yes. C'est bon, il en reste. Ah, le petit level up qui passe bien là. Oui, l'OST, c'est vrai que j'ai pas parlé d'OST. Faut dire que je pense que je l'entends peut-être moins bien que vous. C'est possible aussi. Alors, c'est sympa. Mais encore une fois, hein, Castlevania. Hein. Ok. Boum. Mais oui, elle passe bien à l'OST, je suis d'accord. Ouh, la petite esquive. Là, j'ai un point à mettre d'ailleurs. Je vais essayer de rester à du... Deux points d'attaque pour un point de défense. Enfin, de vie. Hop, c'est ma nouvelle règle. Alors, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Alors, je peux pas aller là-haut, visiblement. Ah oui, 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 je me suis coincé tout seul. Et là, ah purée, je suis coincé. Pareil, level up qui passe bien. Je pense que la zone doit être trop haut niveau pour moi parce que j'arrête pas de monter de niveau. Alors, je suis où là? Ah, je suis revenu là. On va essayer d'aller de l'autre côté. On voit vraiment l'héritage de Castlevania dans les jeux indés. Alors, ça, alors, à ce point-là, c'est pas si souvent quand même. Alors oui, il y a des jeux, il y en a même où c'est encore plus. Hein, je pense à Time Spinner. Time Spinner, c'est Castlevania si ça avait pas été fait par Konami. Hein. Mais je trouve que généralement les Metroidvania arrivent quand même à se détacher de cet héritage-là. Pour mon plus grand bonheur, parce que, comme je le dis souvent, la partie Castlevania, c'est pas ma partie préférée du genre. Ah mais non, c'était fermé là. Ah. Hop. Quelle heure est-il? 13h09. Magnifique. On a encore du temps devant nous. Alors, qu'est-ce qu'on va aller par là? Non, ça je me le recogne pas. J'ai
pas du tout si je suis sur... je vais y arriver sur la bonne route. Oh, c'est ça qui est bon dans le Metroidvania. Hop. Il a réussi à me toucher, hein. Alors, petit marchand. J'étais justement en train de me dire que j'avais pas mal de thunes, je pense. Méfiez-vous de ces forêts. Toute la flore qui s'y trouve, des fleurs jusqu'aux arbres, pourrait vous tuer. Certains des scarabées des environs sont très dangereux. Dérangeants, pardon. Si vous pouviez tous les tuer, ce serait parfait. Ah. Je pense vraiment que les bulles de dialogue sont coupées. Alors, sagesse plus 2, vitalité plus 1, dextérité plus 3, on s'en fiche. Défense 6, je sais plus combien j'ai de... Bouclier de métal. Ouh, dis donc, ça c'est pas mal ça. L'âme du traître. Non, mais on va rester comme ça. Hein. On a dit que des toutes petites upgrades. Je vais économiser mes sous pour au cas où. Comme j'ai économisé mes haches et mes flèches pour au cas où. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est-à-dire que je l'utiliserai. Ah bah si, là je vais utiliser mes flèches du coup. Non, t'es toujours pas mort? Ah purée! Mais j'ai pas de potion! Mais quel enfer! Allez, tire ton truc! Pile au moment où je regardais ailleurs. Je regardais mon compte de flèches. Et bim! Ah non! Ah non, j'ai pas sauvegardé depuis super longtemps! Mais non! Bon, on va aller voir ailleurs. Hein? Où est-ce qu'on va? On va aller dans la ville. On va aller dans la ville. C'est vraiment le mot d'ordre des RPG, ça, au cas où. Ouais, ah ouais. Ah mais moi je suis vraiment. Je suis vraiment à fond là-dedans, quoi. C'est que je garde tous les consommables dans les Dark Souls, c'est une horreur. Je galère d'autant plus que je me dis non, mais ça se trouve, un jour ça me servira vachement et tout. Et puis je me retrouve à tout faire en mode plus difficile, quoi. Bon, après, là, pour être honnête, les flèches, bah, 8 dégâts par flèche. Les haches, c'est un peu pareil. C'est pas non plus la panacée. Il est où je voulais tuer le serpent là. L'anguille des ténèbres, ou je sais plus comment ils appellent ça. Et ben je suis content de voir qu'il y a quand même un peu de monde. Ça me fait très très plaisir. Ça me rassure dans le fait que, et ben il y en a qui entre midi et deux, ben pendant qu'ils bouffent, ils peuvent faire autre chose. Je suis pas allé là. Je suis pas allé là. Allez, c'est parti, exploration. Mais si, je suis allé là. Ah, mais oui. Alors, attends. Sauvegarde. Si, j'y suis allé, mais j'y suis pas retourné. Mais maintenant que j'ai une épée de la mort qui tue, on va aller checker ça. C'est où, là? Là, c'est là, la sauvegarde. Alors, bon, ça sent la porte de la fin du jeu. C'était là, hein. C'était là. Allez. J'espère qu'il aura du bon loot, lui. Oh, purée, l'enfoiré. Je suis trop gourmand. Je fais n'importe quoi. C'est bien, en plus mon épée elle le fait brûler. Elle vient par créer tout seul. Ah, il faut que je retouche.
Et non. Et non. Et non. Bon, c'est pas grave cette fois-ci. D'ailleurs, j'ai un point à distribuer. Hop, du coup, on a dit qu'on le mettait là. Achète des potions. Mais... Alors, Tipsou, je vais t'embaucher. Je te préviens tout de suite. Hein. Je veux que tu sois là tous les lundis. Et que tu me donnes des tips comme ça. Va bien avec ton pseudo en plus. Hop. Faut bourrer. Ouais, mais justement, non, en fait, c'est bien le problème. C'est que moi pour quand il suffit de bourrer, ça va, je sais faire généralement. Mais je peux pas, en fait, il me permet pas de le faire. Parce qu'il est tout le temps là, perché dans ses, en hauteur. Ah, il revient par là. Oh purée. Mais t'es trop haut, mec. Wow. Ça, c'était moche, ça. Allez, redescends. C'est pas cool de me foncer dessus comme ça après, là. Il le fait même pas à chaque fois, en plus. Je pourrais même pas me dire, ok, bah là, je prévois qu'il va faire ça. Bon, quand est-ce qu'il crève ? Cet immense sac à PV, là. Oh, purée. Bah voilà. Anneau habile. Alors, équipement. Ah, il me l'a... Oh, ouh. Là, il faisait vitalité plus 4 et celui-là. Alors là, c'est très très bien, ça, comme anneau. Du loot, du loot. Ah, il y a un truc là-haut. Bon, ça sent l'upgrade nécessaire, genre le petit grappin. Allez, on va sauvegarder tout de suite. Faut vraiment que je répare ce bot. Je le fais tout de suite après. Alors, si personnage, allez, on bourre, et on va aller dans la ville. Ouais, j'ai peut-être un point de sauvegarde plus proche. Non. Allez, c'est parti. Merci Pico, merci ceux qui s'en vont, merci beaucoup d'être passés, ça me fait super plaisir. Alors... Oh, ça a quand même vachement mieux avec cette épée. Alors... C'était par là, je crois. Hein. On va vérifier la carte. Ah, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est tout droit. C'est tout droit. Ah, j'aurais bien aimé me farcir un serpent, là. Là. Reviens.
suis pas sûr que ça vaille le coup. Bref. Hop là. Il est là. Je l'ai vu. Trop tard. Alors. C'est parti pour la ville. Parce qu'il s'agirait un petit peu d'avancer à un moment. Ouais, feu de camp, non mais c'est bon, militaire. Ah, un voleur. Ok, détends-toi. T'es beaucoup trop rapide. Compliqué hein. J'espère que c'est pas l'ennemi de base ici parce que. Oh le réflexe. Je m'épate moi-même. D'où? Mais ils ont combien de points de vie? Ah non, c'est sûr que c'est pas par là la suite du jeu. Allez, je reprends une potion. Alors, je peux monter là? Non. Oh bah voilà, bah c'est tout ça pour ça. Je suis coincé. Bon. C'était pas par là. Il s'est fait avoir lui. Alors, personnage. Voilà. Prochain coup, je monte les points de vie. Il y a un truc dans le sol, là. C'était mieux, là. Mais oui, clairement, il faut que... Enfin, c'est pas pour moi, ici. Donc, c'est bien la forêt. Faut que je retourne dans la forêt. On va sauvegarder, hein. On a pris des niveaux. Mais alors. Tout à gauche. On se pose pas de questions. Bon, ben ouais, moi je suis plutôt conquis par le jeu. Hein. En tout cas, il se laisse vraiment faire. Comme je disais, je suis content qu'il soit plutôt court. Ah, ça y est, là c'est moi qui ai un problème de caméra. Alors, je bidouille un truc. Pardon, excusez-moi, je suis toujours là. Hop, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Alors... Et me revoilà. Toutes mes excuses, c'est ma webcam qui me lâche tous les X temps, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Allez, je vais la choper. Rien à faire. On va tout à gauche. Alors, qu'est-ce que... Mais je crois que... Purée, non, je me concentre plus du tout, ça va pas du tout. Hop là. J'arrive pas à les avoir sans bloquer eux.
Bon, on va se concentrer, on va essayer de se faire cette forêt, mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de points de sauvegarde. Alors, il est où le point le plus proche? Oui, il est sur la gauche. Yes! Bon, c'était joli, il a bien explosé, mais... Mais c'est tout. Par où je vais, là? Ok, c'était bien ça. Alors... Donc, on se concentre. Non, c'est pas, on n'y est pas encore. Pas besoin de se concentrer. Ah si, c'est mieux quand même. Bon, beaucoup d'aller-retour, hein. Vous me direz, c'est normal, c'est un Metroidvania. Mais on a plus trop l'habitude hein, d'avoir ce genre de Metroidvania où vraiment, on est vraiment très très peu guidé. Même, je pense, à Metroid Dread là qui nous guide, il est constamment en train de nous montrer où est-ce qu'il faut aller. Ah purée, c'est deux coups, j'avais oublié. Alors. Voilà, j'ai vraiment pas trouvé de points de sauvegarde. Vas-y, tire-toi. Oh purée, non, j'étais en dessous. Allez, on prend une potion. J'ai pris une potion juste avant de monter de niveau. C'était mauvais. Ok, donc on a vu que c'est... Putain, je l'avais pas vu ça. On va racheter des potions du coup, cette fois-ci, on va pas se faire avoir. Hein. Alors, hop. Dis donc. Ok, donc là, c'est... Allez, j'y passe toutes mes flèches. Voilà. J'espère que j'aurai pas à me le refaire celui-là. Ah oui. Alors là, j'étais pas prêt. Ok, et là quoi? Non mais c'est pas possible. J'ai loupé quelque chose. Oui, bah, forcément que j'ai loupé quelque chose. On avait dit qu'on montait les points de vie. J'ai pas de double saut. Donc j'ai forcément loupé quelque chose. Est-ce que là-haut, donc j'ai loupé quelque chose là-haut peut-être? Ah mais là j'y suis pas allé là. Bah voilà. Ok. Bon là vu comme je suis bloqué un peu partout, j'ai la prochaine upgrade qui devrait pas tarder quand même hein. Je suis où là? Non, je suis pas allé encore. Je suis pas allé? Ça me parle tout ça là. En tout cas, il y a un feu de camp. Donc c'est parti. On va se reposer. Alors. Ah, ça sent le boss.
plus de musique, un gros troll. Et voilà. Ça serait une magnifique manière de terminer ce live. Enfin, ce let's play. Parce qu'on va, on va papoter un peu après. Ok. Oh, comment j'esquive ça, là? Oh purée, faut vraiment le connaître lui. Ok, qu'est-ce que tu vas me faire maintenant? Dernière potion. Yes. Ah, ah oui, non, c'est... d'accord. Bon, cela dit, je pense que c'était plutôt cool. Ça m'a permis de bien le bourrer. Qu'est-ce que tu vas me faire ce coup-ci? Bah, j'arrive pas à le... Allez, ça passe. Yes. Hop là. Bon, il était plus facile que le précédent. J'ai plus bourré. Et la plume. Double saut ou dash. Dash aérien. Je pense pas que ça va faire dans l'original à ce niveau-là. Double saut. Voilà. Et là, c'est là que le jeu devient trop bien. Généralement, c'est comme ça dans les Metroidvania. Je vais... sauvegarder, hein. Puis allez, on va aller faire un petit tour dans la ville après. J'ai vu que c'était une petite bourgade. Bon, heureusement que j'ai mon épée, que j'ai chopé cette épée là. Hein. Elle m'a bien aidé quand même. Ok, juste pour jeter un coup d'œil. Voilà, on va se mettre par là. Oh, il y a un forgeron. Il ferait mieux de ne pas trop vous attarder ici. La situation est un peu étrange depuis que le culte s'est installé sur ces terres. Alors soyez prudents. Au fait, je m'appelle Pascal, c'est moi qui construis ce village. Mais blablabla. Juste pour voir ce qu'il me propose. Absolument rien. Voilà, c'est fait. Ok, donc il y a des gens à qui parler, machin chose. Ok. Alors, autant dans les cavernes, j'ai trouvé que le pixel art était pas ouf. Autant là, il y a quelque chose. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... là, c'est plutôt joli. Les effets de lumière, là. Bon. On va arrêter le jeu ici. Je vais vous donner mon avis. De toute façon, vous l'avez vu un peu tout le long du let's play. C'était... moi, je me suis bien régalé. Bon, c'est pas non plus un jeu extraordinaire. Mais disons qu'il fait vraiment très bien le taf. Juste... moi, le truc qui me dérange, c'est le fait que quand j'attaque, le personnage, il se fige, il s'arrête, il bouge plus. Ça a donné lieu à pas mal de morts à la con, hein, clairement. Et j'ai vraiment du mal à m'y faire, je trouve ça un chouïa dommage, mais c'est noyé, disons que c'est un peu noyé dans tout le reste, qui marche plutôt bien. Le level design est plutôt bon, pas mal d'aller-retour quand même, mais c'est peut-être aussi à cause de moi, parce que j'ai voulu explorer des endroits qu'il n'y a peut-être pas besoin d'explorer. Après tout ce qui est itemisation et tout, ça c'est tout, voilà, c'est la partie Castlevania du truc. Elle est plutôt soft, c'est cool parce que vraiment, enfin, on va les voir dans les menus. Hein. Donc on a l'équipement, c'est assez clair. On a que 4 stats, ça c'est plutôt bien. Donc la magie, la dextérité pour tout ce qui est à distance, la force pour tout ce qui est au corps à corps et les points de vie. Point. Donc ça c'est plutôt cool, je préfère quand c'est light à ce niveau là. Bon, on a plein d'emplacements pour mettre des objets, mais ça, je veux dire, c'est propre au genre. Petit upgrade de personnage très simple aussi, donc du coup on a dit hop, qu'on en mettait 2 points là dedans. Voilà. Alors l'inventaire, j'ai pas du tout, c'est vrai que j'ai pas du tout regardé l'inventaire. Est-ce que ça se vend tout ça? Artisanat, donc il y a du crafting. Alors je pense que là vraiment, en plus, là où on en est, c'est là où le jeu va s'ouvrir un petit peu, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait 3 ou 4 marchands différents, donc on va certainement avoir visiblement du crafting,
Donc la, le marchand qu'on a vu, peut-être aussi du un forgeron, à moins que ce soit ça le crafting, ce sera peut-être ça le crafting d'ailleurs. On a le lore, donc ça je m'attarderai dessus de mon côté. Et puis voilà, 15% de complétion en combien de temps? Une petite heure et demie? Ouais. Donc le jeu est annoncé 6 heures en ligne droite, donc ligne droite courbe visiblement. Et du coup, 8 à 12 heures si on veut, si on veut aller plus loin. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi énormément. Alors on se donne rendez-vous lundi prochain à midi pour la découverte d'un nouveau jeu. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, jouez bien. Ciao !